Hey tout le monde les amis, c'est Energy, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la patate comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Farming Simulator 17 où je vais vous montrer sur console comme sur PC comment installer des mods. Et ce n'est pas simplement avec la vieille technique, c'est également avec la nouvelle technique parce que certains n'ont pas vraiment compris comment ça marchait. Donc je vais vous expliquer amplement comment ça marche, mais ça, comme vous le savez très bien, juste après l'intro. Du coup les amis, on va commencer par la méthode qui est compatible console et PC, comme ça après ceux qui sont sur console vont s'en foutre de la deuxième technique et vont pouvoir passer la vidéo. J'ai pas envie de vous faire patienter les joueurs console, avec les joueurs PC toute la vidéo vous concerne. Je pense que c'est beaucoup plus intelligent de faire ça comme ça. Alors du coup pour commencer vous lancez votre Farming 17, bon, je pense que ça vous vous en doutiez un peu. Ensuite vous allez dans l'onglet mods et voilà, ça certains l'auront trouvé. Donc là il y aura l'onglet DLC, donc pour le moment il n'y a pas de DLC. Bon moi je vais en avoir certains d'installer mais c'est parce que c'est... Je remercie d'ailleurs encore une fois Giant d'avoir passé les DLC de PS4 etc pour que je puisse les installer sur mon PC, enfin bref. Du coup, ça n'a rien à voir avec le tuto, pour ensuite là ils sont classés, tout simplement. Moi c'est batteuse, équipement, remorque, objet, tracteur, bêta, autre, pack et carte. C'est-à-dire que vous aurez tout ça sur console et ça franchement ça fait plaisir pour vous, ceux qui jouent sur console. Et nous aussi on aura ça sur PC et c'est vraiment plus pratique que d'aller chercher sur des liens uploaded. Et je crie pas sur les liens uploaded, ça permet de remercier les modders, et ils en ont besoin parce que ça permet de leur avoir une petite rémunération. Mais bon, c'est vachement plus pratique. Enfin bref, du coup, là il y aura les téléchargements en cours, les mises à jour à faire. Donc là moi j'en ai aucune, j'ai rien à télécharger parce que j'ai déjà téléchargé tous les mods et les mods qui sont installés. Donc moi, regardez les amis, j'ai tout ça installé. Comment faire pour les trouver? Donc là vous les aurez dans plus récent et meilleur, avec quand il y en aura plus, bah, ils seront triés dans toutes les catégories ici. Donc là par exemple on va aller dans moissonneuse batteuse, donc moi j'ai la Fen Harvester Pack, il faudra double cliquer dessus, enfin vous sur la manette, vous appuyez sur la manette et cliquez sur installer, ensuite ça va vous l'installer, enfin ça va vous la télécharger, ça va vous la télécharger, une fois que ça sera plus en téléchargement, ça mettra 100% prêt à être installé, il faudra tout simplement relancer votre jeu. Une fois que vous aurez relancé votre jeu, il va l'installer pendant que le jeu se lance et ça sera parfait et ça sera tout simplement dans vos modes installés, donc moi regardez pour le moment tout ce qu'il y a de disponible. Du coup, ce qu'on fait tout simplement ensuite, c'est qu'on clique sur carrière, qu'on va dans sauvegarde 4, qu'on choisisse ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, bah, vous choisissez les modes DLC que vous voulez choisir. Donc là, les deux là, c'est des DLC, mais le reste, c'est des modes. Donc hop, vous choisissez, non, celui-là, je le veux pas, celui-là, je le veux. C'est très important de les cocher, sinon ils n'apparaîtront pas en jeu. Parce que beaucoup me disaient, je les aime, mais ils marchent pas. Faut vraiment penser à tous les activer. Et regardez bien qu'il n'y en a pas un désactivé. Donc moi, je pense à désactiver celui-là parce qu'il fait crasher les parties pour le moment, parce qu'il n'est pas encore corrigé. Et bah ensuite vous démarrez votre partie et puis les modes seront en jeu. On se retrouve tout de suite en jeu pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà les amis, on se retrouve en jeu pour vous montrer que ça marche bel et bien. Voilà, c'est pas du montage hein. Donc les modes sont bel et bien en jeu, donc c'est vraiment facile pour les modes console. Mais bon, la deuxième technique pour les modes PC va nous permettre d'avoir beaucoup plus de modes. Enfin voilà, en tout cas vous voyez que ça marche. Et pour les trouver, certains vont chercher une catégorie mode comme sur PC il y avait avant. C'est plus comme ça maintenant, il faudra tout simplement par exemple aller dans ensileuse et il y aura mode. Il y aura marqué mode, il faudra aller au fond de la catégorie. Vraiment cultivateur, ils ont mis les deux là en mode. Bon, c'est ceux du 15, ils ont juste transféré. Peut-être que c'était des modes. Voilà, ils seront juste au fond de la catégorie. Donc voilà, pour les trouver, c'est très simple. Il suffit d'aller dans le fond de la catégorie. Donc voilà, la méthode là était très simple. Maintenant, on se retrouve pour la méthode un tout petit peu plus complexe sur PC. Allez, à tout de suite. Du coup, les amis, on se retrouve pour la deuxième technique qui est pratiquement aussi simple. Il faudra juste fermer votre jeu pour que le jeu, une fois que vous auriez mis les dossiers dans le mode, enfin les modes dans le dossier plutôt, puisse actualiser tout ça. Et ensuite, donc, une fois que vous aurez fermé votre jeu, vous allez vous rendre sur un navigateur. Donc, moi, je prends Mozilla, par exemple. Et vous allez dans un site de mode. Donc, moi, je prends LC17 Mode. Il est dans la description. C'est très important également d'installer WinRAR. Je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez l'installer. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très important d'avoir WinRAR. Alors, du coup, vous marquez Farming 17 Mode, vous allez trouver plein de sites. Donc, moi, je vais sur LC17 Mode. Il est dans la description, je me répète. Et là, il va y avoir une chier de mode. Donc, vous choisissez celui que vous voulez. Vous regardez bien qu'il est marqué Farming Simulator 17. Hein. Ne vous faites pas arnaquer à cliquer sur un mode Farming 15. Ça ne marchera pas. Du coup voilà, donc nous on prend le FEN900 Black Booty pour ce tuto. Et bah là, hop, vous êtes sur la page, il vous suffira de cliquer ici pour le télécharger. Donc vous regardez si le mode vous plaît sur les photos. En général, il ne pas les photos, mais ça m'est déjà arrivé de voir que les photos étaient belles, mais que le mode était dégueulasse. Donc faites gaffe quand même. Donc vous cliquez, pas sur la pub, mais bel et bien sur télécharger. Ensuite, ça va vous le télécharger ici, ça va vous le mettre dans votre dossier de téléchargement. Moi, je l'ai mis directement sur le bureau pour que ça soit plus simple. Pour l'installer, ça va être très simple. Alors non, avant tout je vais vous expliquer à quoi sert WinRAR. WinRAR ça sert à pouvoir ouvrir ce genre de fichiers. Ces fichiers qui sont zippés, vous allez pouvoir rentrer dedans. Façon de parler, pas de mauvaise blague. Vous allez pouvoir rentrer dedans. Et si dedans il y a d'autres fichiers WinRAR, c'est important de les sortir. Et c'est les fichiers qu'il y avait dedans qu'il faudra mettre dans le dossier mode, tout simplement. Alors du coup, ici, là vous avez votre archive WinRAR, vous ouvrez un explorateur de fichiers.
Donc, il faudra aller dans Documents, My Games et Farming Simulator 17 et Mode. Il n'y a rien besoin de créer, tout est créé par le jeu. Ça, j'aime bien le rappeler quand même. Et ensuite, là, vous allez prendre votre mode et tout simplement le glisser ici. Et encore une fois, si le mode ne marche pas, il faut l'ouvrir. Regardez s'il n'y a pas d'autres archives WinRAR. Donc, WinRAR, c'est bel et bien le logiciel avec les trois livres comme ça, qui a un lien dans la description pour l'installer. Ne vous inquiétez pas. Vous glissez dedans et puis ça va marcher tout simplement. Vous fermez ça. Et puis, on se retrouve, les amis, en jeu pour voir si ça marche. Et comme ça, à l'infini, vous allez pouvoir faire ce tuto pour des milliers et des milliers de mods. Du coup, les amis, on se retrouve in-game. On va tout simplement vérifier si le mode marche. Et ça, c'est très simple. Ça marche à peu près à tous les coups. J'ai essayé sur 3-4 modes. Et quand il marchait pas, il ne s'affichait pas. Du coup, vous êtes en mode, dans tout simplement installer. Donc, parce que normalement, ils sont installés quand vous avez fait cette méthode. Et là, hop, vous allez rouler. Et normalement, vous allez voir votre mode. Donc là, c'est le Fent 900 Vario Black Beauty qui est vraiment sympa, franchement. Il a vraiment été bien reskiné. On va tester ça. Donc voilà, je vais lancer tout de suite une partie. Hop. Et on se retrouve. On se retrouve en jeu. Du coup, les amis, on se retrouve en jeu pour voir si le tracteur. Il s'est installé tout simplement. Mais bon, en général, quand il est marqué dans les modes, c'est qu'il s'est installé. Vous êtes en tracteur et vous allez tout au bout. Du coup, hop, vous êtes au début. Hop, vous allez tout au bout. Du coup, ça, c'est pas des modes, c'est des DLC. Mais il marque mode quand même quand c'est des DLC. Alors du coup là c'est un mod, le Fen 900 Vario Black Beauty, hop je l'achète, alors on peut prendre, ok en 939 et on peut prendre avec les pneus larges, ok, sympa. Et du coup on l'achète et on regarde s'il marche, hop, ah bah voilà, ah ouais bah excellent, il marche très bien même. L'intérieur est très bien fait, bah c'est le même que celui de base, c'est juste qu'il a été reskiné en Black Beauty. Hop. Moi qui adore les Black Beauty, franchement, je suis vraiment content. Bon, voilà les amis, c'est tout pour ce qui était ce petit tuto, mais bon, c'est quand même important de le faire en un début de farming, parce que beaucoup de gens ne savent pas encore installer de mode, et c'est normal s'ils découvrent farming qu'ils ne savent pas encore installer de mode. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Un like si la vidéo vous a plu, un dislike dans le cas contraire. Commentez pour me dire si vous avez envie que je fasse le même tuto, mais pour vous montrer comment on installe, comment on cheat les parties, comment on rajoute de l'argent, comme il y a marqué en haut à droite, il y a 559 millions. Donc dites-moi dans les commentaires. Si vous souhaitez que je vous montre comment faire ça, avec deux méthodes également, et d'ici là, portez-vous bien, c'était Energy. Ciao tout le monde!